Hop, ça a trouvé direct, super. Alors, je suis blanc contre un quatrième dan cette fois. Hop. On va jouer Oshikomoku. Il approche. On va approcher de ce côté. Il nous pince, ok. Ça donne bien envie d'écraser ici parce qu'il a deux pierres en troisième ligne. Donc pour vraiment qu'il s'écrase sur ce bord-là. On va faire ça. Aucune raison qu'on le fasse pas, j'ai l'impression quand même. Et du coup, il coupe. Il veut pas cette séquence-là. Ok. Tac, tac. On vient là. Il joue ici, on va là. C'est ça la nouvelle séquence, c'est ça. Avant, c'était quasiment pareil, sauf que à la place de d'aller ici, noir. Alors, je sais qu'il a pas le droit de faire ça. mais je me souviens plus de la séquence de punition. Et je sais qu'il a pas le droit de faire ça. Normalement, noir, il vient en M16. Avant, c'était N16 d'ailleurs. Et moi, je vais en P11. Et avant, c'était le Q12, justement. Mais là, noir, ça, c'est un. J'avais vu dans une vidéo, mais ça fait plus de 6 mois. J'ai un peu oublié. Parce que ça se joue rarement. Ça se punit. C'est pas évident de savoir comment. Comment on fait ça? Est-ce qu'il faut pousser une fois? Le truc c'est que si je pousse une fois et qu'il revient, finalement j'ai perdu un peu l'avantage ici. On faiblit. C'est ça. Tac. Alors. Est-ce qu'on a le droit de sortir d'une manière ou d'une autre? Tac, noir, blanc, noir. Blanc vient là. Noir. Ouais, je pense plutôt qu'il faut pousser quelque chose au 11. Je suis pas très fan de 11. P2. Oula. Non, P18, ouais, oui. Je comprends, hein, moi aussi je confonds. En plus, j'ai regardé, mais on peut pas les. Sur KGS, là j'ai réussi à agrandir du coup les écritures, mais là les nombres et les lettres, y a pas ça dans les options. Donc on est obligé de rester avec du tout petit. Faudra que j'en écrive manuellement sur le. Sur Streamlabs. Pas sur OBS. Ici peut-être. Tac. P2, P2. C'est bon ça? Tac. Il revient là. Si je viens là, il peut couper en fait. Je vois. Ouais. Bah, c'est P2 là. Hein. Mais bref. Je sais pas. Faut peut-être pousser ici. Il continue une fois. Ah, c'est pas évident. Hein. J'aime pas les coups comme ça, tricky. Il sort du je sais qui. Ouais, moi aussi j'aime bien N17, mais je suis en train de me demander si c'est pas jouer le coup qu'il devait jouer à M16. P2, c'est O18 sur ton goban. What? Ok. Déjà plus logique du coup. Parce qu'il peut pas faire le chichot, et c'est à ça que je pense avec celui-là également. Souvent on dit que pour sortir d'un guetta, c'est un de ces deux Tobi. Donc là oui, ça a plus de logique que ça. Ouais mais là c'est O, mais sauf que oui, sur KGS, y a pas le I, ça existe pas, c'est ça? C'est tellement compliqué de faire les comparaisons. Donc ouais, là j'hésite entre M16 et effectivement ce coup en O18, pour briser les possibles chichots. Mais celui-là... Tac, s'il va là, tac, il va là, tac. Il va là, tac, il va là. Et on est foutu. Donc ça donne que celui-là de possible, effectivement. M16 n'a pas l'air de marcher.
Ouais, à cause de la colonne I. C'est super, c'est trop chiant, ouais. Alors. Bonsoir, on se croirait à Mesker ici, il manque juste le barman et le riche coffee. C'est ça. La petite casquette, et c'est bien. On va d'abord venir ici, je pense. Mais le Kosumi semble bien aussi. Ouais, j'ai hésité, ouais. Si je vais là. Parce que là, si je connecte tout de suite, ça semble un peu risqué. Et ça semble un peu risqué. Je pense qu'il faut aller en M16, N16, pardon. Il va là. Tiffany, il y a Atari, tac, puis Atari, tac, puis connexion. Voilà, c'est compliqué. Si on descend direct. Ça semble risqué pour nous quand même. Tac, il vient là. Je descends, puis il vient par là. On va lire un peu. Lire un peu. Hop. Ouais, connexion directe, je suis en train de penser aussi parce que y a ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. C'est gentil. Alors, parce que là, des fois, il y a le. Ce Tetsuji, il marche, mais là, il a pas l'air de marcher. Tac, tac. J'ai encore deux libertés, je peux faire l'Atari. S'il avait une pierre en P19, ça marcherait. Mais là, ça va. Là, ça va. Ok, il pense à sa vie d'abord. On va étendre. Nous aussi, il faut qu'on pense à notre vie. Notre survie même, je dirais. Donc si j'étends en L17. Imaginons, il vient ici. Connect. Il coupe, c'est un peu dangereux pour lui. Donc on peut aller jusque-là. Ouais, extension, ouais. Ok, il est très sévère, hein, franchement. Ça marche pas. Pousse, je vais là. Je vais pousser ici, je vais là. Atari, tac. Atari, tac. S'il continue, il peut pas, donc on bloque. Tout marche, je suffit de pas lire. C'est combien déjà, Goshi? J'ai l'impression que ça a l'air pas mal. Après, il peut peut-être tout simplement aller 99 dames. Je me disais aussi. C'est ça. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc peut avancer ici. Si noir va là, on peut faire un tari. J'ai l'impression que ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Une séquence avec K4. K4. Ok, K17. Non, K16. Je connais pas bien ces séquences-là, je t'avoue, Rémi. Je peux donner 85 pierres de diamant. C'est ça. 85. Pourquoi il est 14N? Non, contact sur la pierre par-dessus. Ah oui, le K4, oui. Désolé, ça va être compliqué là, ça, de traduire les coordonnées. K4 égale J16, ouais, désolé. Là. Je me demande s'il n'y a pas un petit mode à mettre pour que ça change les coordonnées. Mais en tout cas, oui, la prochaine fois, tout simplement, on jouera comme ça.
Et je mettrai moi-même. J'écrirai, je trouverai un petit truc pour écrire tout simplement les coordonnées à gauche et en bas, par exemple, un truc genre, ou à droite et en bas. J'ai oublié comment faire des additions. Ouais, je vois ça. Des soustractions surtout aussi, mais. Ou alors on peut juste regarder. Ces petits, mais elles sont là. Ouais, mais je comprends. Je comprends, c'est un peu chiant. Hop, alors. Bloqué, non? Blanc. Il n'y a que 3 libertés en soi. Il force ici, on va là. Atari, tac. Atari, tac. S'il va ici, tac, 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 tac. Je vois pas les coordonnées perso. Non, mais c'est très petit, hein, c'est vrai. K16, J16 pour se renforcer à l'opposé. Ok. C'est trop ce que je fais là. Tac. Si ça marche pas, j'ai l'air con, oui, c'est clair. Tac, tac, tac. Ça marche. Noir vient ici, on va là. Il vient ici, on va là. Tac, tac, tac. Oh, ça marche pour moi, non? J'ai l'impression que ça marche. Au pire, t'as tort. Oui, c'est qu'un jeu en soi. Il semble que j'ai tort. Il fallait aller à l'intérieur, là, ici, peut-être. Blanc. Petit noir descend ici. Ouais, il fallait à l'intérieur. J'ai joué trop vite. Blanc, noir, blanc. Noir descend. Ouais, en fait, on a fait la merde. Tant pis. Je peux rien dire d'autre, tant pis. Dommage, dommage. C'est pas fou ce coup, non? Je devrais plutôt aller de ce côté. Tac, tac. Oh, j'ai rien, mais il me donne le coup en K18, je suis assez content. Venir là. Ça mène à se venir en N19. Attends, il va pas me transformer ça en C-qui quand même. Tac. Si je descends. Il vient là, je connecte. Ouais, c'est qui? DB. Ouais, franchement. Bon, je suis goté, mais. Quand même, toute cette zone qui sert plus à rien, du coup. Bon, bah, au moins, t'es content, je pense, Rémi, du coup. C'est le bordel dès le début. Ok, très solide là par contre. Ouais, mais je suis au-dessous ici. Donc, je vais faire ça. Je pense que j'aurais été au Sensan à sa place. Tant pis pour cette pierre, on s'en fout. Là, il me laisse avoir beaucoup plus de points qu'il ne pourrait en avoir ici, lui. On va même renforcer direct.
Il est pas encore vivant, donc je vais me prendre ce petit privilège. En vrai, s'il veut faire chier, il sort ici. Bon, un poil gourmand, mais... Ok. Ça aussi, ça me semble un poil gourmand. C'est même pas la bonne extension, et ces pierres, elles sont pas encore sorties d'affaire. Je serai 3. Bah, soit je vais en P15, soit je vais prendre le... Gaffe quand il sort sa pierre. Ouais, c'est pour ça que là, il faut que je recouvre par là ou par là. Ça peut... Ce coup-là est peut-être plus sage que celui-ci, d'ailleurs, parce que ça attaque et défend à la fois. Et ça menace pas mal des séquences par là. Ça marche, ça, c'est une belle forme, hein, mais ça marche. Oui, ça a l'air d'aller. Moi, je vais... Qu'est-ce que je fais? S'il sort, c'est toujours embêtant. J'ai l'impression que c'est gros de prendre la pierre. Mais peut-être un peu long de faire ça. Bonne soirée, Volabilis. Merci pour le follow encore. À bientôt, peut-être. Peut-être lundi prochain ou sur YouTube. Je pense plutôt à des coups par ici. Qui prendra en large la pierre, peut-être un peu moins loin ici. En soi, s'il sort maintenant, on peut recouvrir un peu plus facilement. Ouais. Ça a l'air plus rapide. Je me matais un J13. Même avant les échanges E18, mais je suis probablement trop timide. J13. Alors, il faut que je le trouve du coup. J13. Ok. Ah, c'est ce que j'ai fait du coup, bah, H13. C'est dans la même idée que le J13 hein, en soi. Et ici. Soit je protège solidement ma coupe, en soi je commence à gagner pas mal de force sur le centre. Soit je joue C13. Qui est quand même un sacré coup de verrou de coin, on va dire, c'est pas mal. Mais je laisse une coupe. Et s'il coupe, on peut aller là, il coupe ici, on va là, il continue, on bloque là. Il a atterri. 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 C'est un poil dangereux. C'est un poil dangereux. Mais il serait complètement enfermé également et on a des libertés. Moi j'ai l'impression que c'est faisable. Protège pas. Laisse le combat central se dérouler. Ouais. Ouais. En plus, cette ligne, C13. Fasse gaffe au F12. Qui ferme compagnon, voilà. Et maintenant, je peux protéger. Parce que maintenant, la coupe est beaucoup plus gênante. Rien que sa gueule de tigre ici est bien gênante. Donc, soit je protège en dur, encore une fois, soit je continue. Mais continuer, c'est un peu risqué également. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le chichot du tout. Donc, je pense que maintenant que j'ai eu mon C13, qui est quand même un beau coup cash, on va connecter. D'ailleurs, j'ai pas mis aujourd'hui, mais peut-être que vous préférez quand je mets les 10 derniers coups comme ça. Je sais pas. Ouais, il est toujours faible, hein. Il y a même pas de deuil ici, hein, parce que je peux aller en H18. S'il descend, je passe au-dessous. Il y a aucun deuil ici. En tout cas, il n'y a rien de sainteté. Ici, on va glisser, non? Si je pousse, il va se renforcer tranquille, et en plus, il va menacer de descendre en C11 si je réponds pas. Donc, de toute manière, il faudra protéger un moment en deuxième ligne comme ça. J'ai pas envie de le toucher, j'ai envie de dire... On va voir ce qui se passe. Comment est-ce que tu débrouilles avec ça? Et s'il essaie de jouer rapidement, moi, rien ne m'empêche de couper. Ouh. D'accord. Ça, c'est intéressant. Je peux faire des pinces. Qui me permettraient plus tard de chercher
Par exemple, si je fais cette pince en D9, là, ça me permettrait de chercher le double quéma ici. Et même si ça ne tue pas, par exemple, ça continue d'accroître ma force sur le centre. On va faire ça. On pince D5. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ok. J'ai l'impression qu'on va déchirer pas mal de choses ici. On vient là. Attention à pas me donner trop de points. Il vient ici. Attention à ça. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'il peut faire ensuite? Enfin, cela dit. Si, il y a ce coup qui est gênant quand même. S'il vient là, ça menace de faire ça. Tac. Et de prendre les pierres. Donc peut-être qu'il faut que je revienne prendre les pierres maintenant. Et c'est comme. Pas mal. Ou alors comme ça. Un peu plus rapidement. Comme ça ou comme ça. Refaire une pince plus proche. Et en même temps, maintenant, s'il rampe, ben, ça sert à rien. S'il fait ça, ça sert à rien. Donc, et s'il va là, j'ai la gueule de tigre. Donc j'ai l'impression que ce coup-là est plutôt pas mal. Atari, toi t'aurais fait plus solide, sûr. Je comprends. Ah vache, il a joué 4500 parties. Je m'énerve. Aïe aïe aïe. Je suis aveugle. Hein. Je suis aveugle. Incroyable. Ok. On vient là. Si je viens ici, il peut fermer, c'est le bord qui l'intéresse, donc je vais plutôt continuer ici. Ah, c'est incroyable ça. Hein. Ouais, moi ça m'arrive souvent quoi. Les chichots, ça m'arrive souvent, c'est. Il y a un problème. Je peux venir ici, hein, il a pas répondu à ça. Attention aux chichots. Ouh, attention aux chichots. Ouais, c'est ça, je pourrais attaquer, j'ai même le Sansan tout simplement. Bon, il faut que je fasse attention à mon groupe au nord, mais en soi, ici, là, attention, rien que G5, Atari, t'as comprend. Ok, il fait d'abord ça. On vient là. What? C'est pas très bon ça, non? Venir ici, non? Comment est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on coupe ici? Mais il peut pousser, pousser, pousser. Et finalement, il n'y a pas grand-chose. Tac, 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 tac. Il est là, du coup. Ici, coupe maintenant. Atari, tac. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Hop. Et s'il pousse de ce côté, on va là, s'il protège, tac. Et le chichot, ben. Voilà, c'était urgent de faire ça, parce que sinon je mets en haut, mais. Ça devient très gros. Après, le Sansan aussi, c'est gros. Est-ce que c'est le plus important maintenant de faire ça à la situation locale? On va peut-être prendre le Sansan d'abord. Goshi, il l'aurait fait au coup 3 et nous on l'a toujours pas joué. Aïe aïe aïe. Mais bon, 99 d'Anne. On peut pas rivaliser.
On est comment au niveau points? Comment est-ce que quelle est la partie? Alors, noir a potentiellement cette zone-là, on va dire ici. Soit c'est très dur à dire, hein, parce que tout ça c'est du potentiel. Hein. On peut venir ici, on peut venir là, on peut venir au Sensen. Donc c'est dur à dire, mais en soi, il a ça en potentiel. Ici, c'est pas des points non plus, hein, au sud là. Il aura peut-être des choses ici, on ne sait même pas en fait. Et il a un petit peu là. Blanc, qu'est-ce qu'il a? Il a ça. Là. Et en soi, c'est à peu près tout. Hein. On aura peut-être un peu ici, voilà. Il n'y a pas beaucoup de points certains en fait dans cette partie. Donc bon. On va voir comment ça se déroule. Après, blanc a l'air plus solide, je trouve. C'est parce qu'en niveau de territoire, c'est dur à dire. Et quand on parle des forces, sur le centre, blanc, il a quand même de la force par ici avec ses pierres. Il commence à prendre de la force vers le centre ici. Alors que noir, je trouve qu'il est vachement écrasé de ce côté. Et ici, ça va dépendre aussi de qui capture ce chichot ou pas. Ouais, on va voir tout ça. Il est d'un jaloux ce joueur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Tac. Si je vais là. Qui pousse ici, je vais là. Il protège, capture. Ouais, je pense au Kazumi, c'est le coup le plus naturel. Mais alors, je regarde si je peux pousser une fois ici. Il continue là. Et là, c'est risqué. Tac, tac. Je me fais avoir en fait. Donc, en fait, c'est seulement que c'est le seul coup, non? Ça a l'air d'être le seul coup. Il sort. On capture. Il reprend de la force sur l'extérieur. Oh. En fait, ces pierres-là, elles m'intéressent plus, ces trois-là. Pourquoi? Parce que c'est par rapport au chichot. Parce que là, si je viens prendre et qu'il sort, c'est plus embêtant pour la coupe, le chichot, tout ça. Je préfère ces trois pierres. De toute manière, ça me connectera quand même. Et en plus, s'il protège, capture, ça met quand même en atterri celle-là, donc je suis content. C'est bien mieux pour moi. Alors, tac. Noir, blanc. Il y a encore les chichots. Après, comme on disait, il est plus si important maintenant. Par contre, il y a peut-être des trucs ici, hein, B5, moi j'ai l'impression. Il vient ici, je vais là, il vient là, je vais là. Il vient là, je vais là. Ouais, il peut connecter, ça a l'air compliqué. Je pense pas que ça tue ce coin. Tac. Non. Et si je viens là, il saute ici. Mais bon, on peut au moins faire ça en vrai. On peut au moins faire ça. Du sang. Et ensuite, on a ça. Oh mais attendez. S'il fait ça, c'est mort. Ah. Normalement, il est mort si je connais bien Metsumego. Avec ça. Ça, c'est une forme morte. Une fois que je connais un truc. Je descends ici. De toute façon, peu importe quel coup il répondait, ça ou ça, c'était cette descente, le coup de la sagesse. Aïe aïe, quel retournement de situation quand même. Aïe aïe. Et tout ça à cause de Q12, non. Quel visionnaire quand même gaucher, hein. Tue le coin. Normalement ça vivait, je pense. Parce qu'il faisait la descente ici. En A5. Ça vit ça, non? Je sais plus si ça vit ou si c'est co. Je les connais les 4 Dan. Ah bah non, t'as beau chercher. Bah non, il y a juste la sortie peut-être. Mais s'il fait cet Atari.
un contre Atari, il capture, je protège, je m'en fiche. C'est co, ok, merci. Faudra que je regarde pour essayer de quand même, parce que c'est quand même important le co. C'est pas mal. Ça envahit les coupes de partout et ça se fait et ça sait pas faire un Tsumego. Ah, il prend comme ça. Par contre, il y avait. Mais tu l'avais encore le chichoule. Autant jouer ça, non? Bon, après, je comprends, c'est une dette à payer hein, tout le long de la partie, comme dit MDZ. Je regarde juste, s'il joue là, je joue là. Coupe, on connecte, il va là, il y a rien. Il va là, je vais là, il va là, je vais là, il capture, on protège, c'est un faux œil, donc on s'en fiche. J'ai pas besoin de rajouter. Bon, maintenant, ça sert moins d'aller là. Par rapport au show, donc je me dis, on va juste prendre le coin. Ce qu'il y a, c'est que c'est le bord droit qu'il a envie de développer, donc je me demande si je peux pas aller jusqu'ici. Non, bah non, il va me pousser par cette pierre en Q8. Donc non, aller au Saint-Saint tout simple. De toute façon, ça suffit, on est en large en avance, je sais même pas pourquoi je réfléchis plus que ça. Et on est 10. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous l'avez pas déjà fait et que vous voulez être prévenu des prochains streams. Hop. Et on est également présent sur YouTube si vous voulez. Enfin, je sais pas pourquoi je parle troisième personne. Attention à pas reproduire la même forme, hein. Un truc comme ça, tac, et il fait la descente, je descends, tac, tac, et on a exactement la même chose qu'en face. On va plutôt éviter. Donc on va faire ça. Bon, il est très costaud, hein, mais on a le coin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait que maintenant, depuis qu'il a gagné H11, il y avait aussi cette histoire où c'est un peu moins costaud tout ça. Donc, rajouter un coup par ici, en fait, juste protéger la dernière chose qui semble un peu abîmée. Oshi, je suis Siden Bot et je confirme, je connais aucune forme de dessus. Goshi, ouais. On va juste venir par là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Viens là, je protège. Si je vais là. Faut que je fasse gaffe, hein, là, je le sens que c'est là où je peux faire des bêtises encore. Déjà on va capturer. Hein. Ouais, il tente une arnaque, hein, clairement. Oh là là. Ça remue dans le filet. Très belle expression. La capture, du coup. Ouais, quand même. Il faut que je fasse gaffe, hein, j'ai quand même des Atari un peu dans tous les sens. C'est ici, non, la réponse? Tac. Le truc, c'est que s'il fait Atari ici, je vais là, il fait Atari là, je vais là, il fait Atari là, je vais là, il va là, je suis mort. Faut que je fasse gaffe. Hein. Je vais là, plutôt. Atari, tac. Atari ici, si je protège, il peut descendre. Tac, tac, je suis mort. Mais en même temps, si je sacrifie la pierre, il capture, et là, il a un œil ici. Je sais pas trop quoi répondre. Peut-être ça? On va passer à deux périodes. Si je réponds ça, c'est 7. Ah oui, bah, il faut défendre le bord, oui. Si je vais là... Non, je vais pas défendre là. Si je défends là... Tac, Atari ici. Ah non, parce qu'on connaît comme ça, donc Atari ici, tac. Si tu peux venir là. Oh là là, ça a l'air compliqué.
Il va m'avoir. Peut-être ça. Tac, voilà, tac, attends, tac. Je sais pas. Ou alors je connais comme ça. Ouais, mais en fait, si je protège comme ça, il a Statari. Et en fait, il y a le co. Si je protège comme ça, il y a le co. Si je protège comme ça, c'est très dangereux parce qu'il peut faire Statari, tac, et venir là. Pas une menace. Pas du tout une menace, ça. Il capture, je vais je suis obligé d'aller là. Il est vivant, non? J'ai aucune coordonnée. Mais à droite, là, et en bas. Par contre, je suis mort, là, j'ai fait le con. Capture. Ok. Il est vivant du coup. Oh là là. Bah ouais, mais il n'y avait rien qui marchait. Il n'y a rien qui marchait, hein, j'avais des formes de merde. Oh là 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 là. Vivant santé. Là où il a coupé, toi tu aurais dû connecter. Mais ça marchait pas. Ouais, j'ai merdé, hein. Attention, on coupe. Tac. Coupe ici.
Dans ce cas, on va ici. Il y a coupe là et coupe là. Oh, c'est le bordel, hein. C'est le bordel. On va juste mettre le dernier coup. Pas comment connecter en dur. Mais si je vais là, il prend la pierre et ensuite je sais pas si on peut prendre. E4 noir marchait pour lui en début de séquence, non? E4. Bon, on regardera ça après, ouais. Ici, ici. Il a qu'un seul œil ici en capturant ça. S'il va là, je capture. Il va ici, je vais là, il peut une attaque. Ok. Donc il faut aller par là, non? Pour tuer tout ça. On va regarder ça après. Bonne nuit, Mogi. Bonne nuit à toi. On recule, sinon c'est dangereux la coupe. Voilà. S'il va ici, on peut aller là, non? Ok, il veut vivre ici, normal. Nous, on va renforcer par ici. Et petite faiblesse, j'ai l'impression. De toute façon, si on tue ça, c'est largement suffisant. Et en soi, si on connecte cette pierre, ça, voilà, il faut encore qu'il prenne ça. Atari, tac, il vient ici, tac, c'est bon. Et ici, moi, bon, il n'y a aucune séquence pour reconnecter, je pense. Tac, il vient là, je vais là. Oh, coco. Tout simplement ça. Ouais, je sais pas s'il y avait quelque chose ou pas. Ouais, là, je suis en dernière période et... Après ce que j'ai fait en haut, là, je préfère être prudent. Ici, si ça passe pour moi, non? Tac, tac. Je serais pas mis en atari parce que j'ai deux libertés. Donc, il est mort partout. Tac, 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 tac. Tac, tac. Il vient ici. Et on capture. On connecte. Et là, il est mort partout ici. Ok. Là, il s'énerve un peu. Il veut capturer tout ça. Il veut tout capturer, il veut tout manger. J'ai un œil. J'ai un œil. On va en faire un deuxième. Dans quel sens on joue cette séquence? Si on va là, il bloque, je vais ici. Y a pas de chichot. Il recule, on capture. Ouais, c'est ça. Simplement pousser ici. Il recule ici, qu'on fait Atari. Ok, il peut protéger, tac, tac. Et ensuite, on monte. Est-ce qu'il donne le Tsetsugi en K9? Ça marche mieux quand on joue un peu plus vite, mais bon. C'est pas le but, normalement. Ouais, ça marche pas, ça. Ici c'est mort, même si tu sors ici, je vais là. Ok.
On a gagné, ouf. J'ai eu peur après le coin à gauche, hein. C'est clair. Tac. Du coup, ici. Comment est-ce que j'aurais pu m'éviter cette peine, surtout? Un tiers du Goban tué. Ouais, je me suis énervé sur la fin un peu, ouais. Dès qu'on réfléchit plus, comme disait Gauchy, ça va mieux. Mais bon, c'est pas le but, comme je disais. Donc il va ici. En fait, à la place de faire l'Atari, je dois peut-être reculer comme ça, non? Ah, je peux pas cliquer. Ah oui, il faut aller dans... Hop! Je vous mets la bonne scène. Voilà. Il faut aller ici. Je sais pas pourquoi ça marche pas là, mais bon. Bref. Les pierres sont coupées sur les côtés, c'est pas grave. Si je recule ici, ça marche, non? Mais s'il force ici. Faut qu'il coupe. Il y a Atari, donc il faut qu'il protège et je protège. S'il va dans un autre sens, s'il va d'abord par là. S'il coupe, on fait ça. Le problème, c'est qu'ici, il en a Atari également, donc il doit protéger là, mais il doit protéger là-bas également. Donc, en fait, ouais. Comme tout à l'heure ici, là, quand je... plus tard dans la partie, j'arrive à savoir, hop, ici, qu'il faut reculer pour rester solide, pour être safe. Mais plutôt... Il fallait faire la même chose. Ça a l'air d'être ça, non? Tout simplement, pour éviter le coup. Juste rester solide, pas faire Atari, parce que ça reste un faux œil, la position en E6. J'ai l'impression que ça suffit. Bon. Et sinon... Ouais, en bas, le début, là. Ouais, il y a l'œil. Il y a l'air, ouais. Ici, on me disait du coup tout à l'heure, Auréade, je crois, disait qu'il fallait ça. Ou ça, c'est ça? Que ça marche mieux? D'abord me renforcer. Si je fais ça et qu'il renforce, maintenant ça a l'air de bien mieux marcher. Mais surtout dans la partie... Ça marche pas en fait. Ça marche pas de faire cette auto-atterri non plus. Non, enfin je go. Ok. C'est pas écrivable comme pseudo. Ce... Non, ouais, c'est pas prononçable non plus. C'est pour ça, je sais que c'est Rémi sur YouTube, donc voilà, Rémi. Mister Vache Jidego. Ouais. Non, non, c'est juste que j'ai été trop gourmand, mais s'il y avait une pierre... Est-ce que ça change vraiment quelque chose s'il y a une pierre par là? Tac, 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 tac. Oui, clairement, en fait. Oui, tous les jours. Ouais. Sauf que, si là, il se décide à sortir... On est quand même content de pouvoir faire des séquences par ici. Mais ces pierres-là sont un peu abîmées. Il faut que je regarde avec l'IA. On va en regarder encore. Salut Ashwiden, comment ça va? Je vais encore regarder avec l'IA. Je vous amène ici en attendant. Ça va aller plus vite parce que le site est prêt. C'est juste... regarder cette séquence, comment est-ce qu'on doit punir. Et après je regarderai, je crois que c'est une des vidéos, encore une fois, je parle tout le temps d'elle, de Ankyodo, de Go Inside, qui dit comment punir. Je crois que c'est elle. J'ai un doute. Donc, tac. Ouais, ça va, merci. Ça va bien. C'est pourtant mon nom d'email où les recruteurs m'envoient des propositions de poste. Ah merde. Tac. Donc Fox, on est le 18 et je m'en porte le 2. Tac. Nickel. Et on va sur Ai Sensei. Tac. Et je vous mets. Enfin, une fois que j'ai lancé ça. Vous mets sur la bonne scène. Donc
Tu as fait une pause sur tes vidéos d'Objectif 5 Dan? Ouais, je disais tout à l'heure que, notamment avec plusieurs retours et même moi le ressenti, c'est soit je tombe contre des sandbaggers du coup qui sont bien meilleurs que leur niveau et du coup ben c'est pas le but de rechercher et sinon ben, je roule sur la moitié des gars parce que ben il y a une différence de niveau, c'est logique en fait. C'est donc il faut que je pense que je vais recommencer, je vais créer une autre playlist et je vais mettre voilà, ce sera aussi Objectif 5 Dan, je vais voir comment je l'appelle, si je mets le même nom ou pas, mais je vais commencer plus haut. 4, 5Q. On aura peut-être des choses un peu plus intéressantes et bah surtout ça va peut-être plus équilibré aussi. Et ça sera. Il y aura peut-être des choses à dire sur le Fuseki et tout, parce que là c'était souvent. Ah là, il aurait dû répondre à cet Atari. Bon, au bout d'un moment, c'est. Une vidéo, pourquoi pas. D'ailleurs, il y en a une qui t'avait pas mal plu, mais une fois qu'il y en a 5 pareilles où c'est tu tues tout le Goban, bah, c'est plaisant ni pour lui, ni pour moi, ni pour les spectateurs, en fait, je trouve. Alors, ce début de partie. Tac, tac, jusque-là, c'est normal. Et ici, je sais qu'il doit aller là, voilà, c'est ça. Et moi, je dois aller là. Ça, c'est le nouveau Joseki. Mais il n'a pas fait ça. Donc, comment on punit? Il est venu là. Ah, c'était le Kosumi. C'était le Kosumi. Mais ça marche aussi, hein. Le mien marchait pas, par contre, effectivement. Et quand il est descendu, il fallait bien aller là. Quand il a défendu son coin, il fallait bien aller là. J'ai bien répondu à Proy, hein. Il fallait bien aller là. Et c'est le Kema. Ou le Kosumi. Ok, donc vous connaissiez bien les séquences à Proy. Et moi j'ai joué ça, c'est trop précipité. Si on va là et qu'il protège, ouais. On peut même aller là. Viser plus gros, ok. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir ça. D'ailleurs, pour ceux qui viennent souvent, est-ce que vous avez noté une petite différence avec le micro? C'est moins bien, c'est mieux, pareil. Parce que j'ai changé quelques petits trucs. Et bon, c'est dur évaluer sa propre voix, c'est pas facile. Hop. Tac, tac. Mais en tout cas, ouais. Et le mieux, c'est même de faire ça. Et s'il sort, comme on disait, parce que nos pierres, elles sont quand même pas en forme, je trouve. Tac. J'ai l'impression qu'ici on est quand même pas mal abîmé. Hein. Donc on s'installe, il nous attaque. Tant qu'on peut sortir, l'IA elle est en mode c'est chill parce que Noir il a fait 3 positions. 3 positions, j'imagine que c'est pour ça. Oula, le bot qui s'énerve. Je le vois souvent ce coup de K4 pour sortir avec l'IA. Ouais, ils aiment bien se positionner dessus. Et le truc, c'est nous, on a longtemps appris, et je l'ai déjà répété dans la partie là, du coup, que je viens de faire, que j'avais pas envie de toucher l'adversaire parce que ça va le renforcer. Ouais, mais des fois, t'as pas le choix, j'imagine. Mais ouais, on m'a beaucoup appris ça, moi, quoi, avant le Go moderne, il faut pas toucher, quoi. Si tu veux pas renforcer l'adversaire. Mais en soi, là, c'est moi qui suis faible. Donc quand t'es faible, il faut toucher. C'est chiant, mais tu pourras pas attaquer avec quelque chose qui est complètement instable. Et ils disent quand même de faire. Non, l'attaque. Là, j'ai. Ouais, bon, après, j'ai bien répondu après mon erreur, en fait, quoi. Et on a tiré le mieux possible, quoi. Du coup, c'est quoi son erreur? Parce que. Je fais pas le bon coup. Ici, je fais ça, ils disent que c'est une erreur. Mais ensuite, il répond bien, je réponds bien. Ah, ok, il faut pas pousser. Là, il perd une liberté, et du coup, ça me permet de. Faire un mur quand même assez agréable. J'ai eu de la chance. J'ai eu la chance. J'ai quand même un mur assez sympathique. Et là, il fallait direct jouer par là. Ok. Trop gourmand de venir là, de faire le Seki. Le Seki, il est intéressant, mais après, oui, voilà. C'est le Seki, il peut arriver. Et sinon, c'est 10 points. Mais il y a plus gros que 10 points ces temps-ci, en fait. Ouais, dans la partie. Ok. Ça roule. Ça roule, ça roule. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à voir dans la partie? Bon, la partie était. Si, en haut à droite. Du coup, c'était bien ça. Non, c'est bien plus loin. Ici, là, quand il l'abuse dans ses coups en haut à gauche. Tac, tac, tac. Il vient là, et effectivement, il fallait bien reculer comme ça. Ok. Je viens de confirmer, c'était une grosse erreur de faire ça. Moins 24.
Ça fait mal. Et il y a une grosse erreur encore ici. À prouver. De blanc. Protégeant ici. Il peut venir là. Ah ouais. Et la partie redevient équilibrée. Bah oui, il connecte ces deux groupes qui sont bien attaqués. Et en plus, ici, il est vivant. Donc ici, il faut venir là. Et s'il capture, en fait, il meurt juste en gros parce qu'il n'y a aucun œil ici. Intéressant.